Un comité tout neuf monté dans tête parti politique Mokrina qui réalisé journée samedi à 3e congrès national li qui était rassemblé dans Adelfos Delma plusieurs dizaines délégués qui étaient sortis dans 10 départements pays. Docteur Reynold Jean-Claude Bazin réélu comme président, vice-président c'est Roosevelt Joseph Augustin. Responsable information ancien député Lagonavla Begin Steus fait connaître mouvement chrétien pour un nouvel Haïti qui idéologiquement c'est un parti centre gauche prêt pour participer à tout niveau dans prochaine élection yo. Congrès a déroulé démocratiquement et parti a continué faire promotion pour moralité dans façon li croit pays a doué gouverner. Selon Roosevelt Joseph Augustin ak Begin Steus qui était dans micro Emmanuel Tolembrina ak Delson Gersin. Congrès Mokrina c'est juste pour nous capables bay jareta Mokrina et puis jodi a nous t'ai réuni justement pour nous capables de reconfirmer rebaille j'arrête à mouvement ça qui c'est mouvement chrétien pour une nouvelle Haïti le Mokrina. Ce qui veut dire que nous pouvons pour nous participer à tout niveau à tout niveau n'a participé de la présidence au Kazakh. Assemblée générale ça c'était juste pour renouveler démocratiquement personnel au niveau de la coordination nationale et au niveau des différentes coordinations départementales. Donc la preuve est bien grande, nous arrivés hier vendredi là constituer démocratiquement nouvelle équipe qui gagne pour mener Bak Mokrina, qui gagne là-dedans notre président élu docteur Jean-Claude Henri Jean-Claude Reynold Bazin, et puis gagne vice-président c'est pasteur Roosevelt Joseph Augustin, gagne secrétaire général Sadrak Dieudonné, gagne coordonnateur général Arsène Dieu Juste, gagne Begin Steus votre serviteur qui fait office de porte-parole ou responsable général de l'information, de la propagande et des relations publiques que nous relais souvent porte-parole, gagne Michel Jean-Gilles responsable général des opérations électorales, gagne Moïclès Legrand responsable général des locaux du mobilier et du personnel, gagne Ronald Villemene Pierre qui est responsable général de la sécurité des transports, gagné Jean-Maxo Lafleur qui est responsable général de la trésorerie, gagné Jean-Aubert Luima qui est responsable général du protocole, gagné madame Fabiola Saint-Léger Brutus qui est responsable adjoint du protocole, gagné madame Marie-Nicole Fleurissin et maître Vénol Geffrard qui c'est membre de la coordination nationale qui assistait avec un ensemble de membres qui c'est disons coordonnateurs départementaux.